Ok. Let's play ball. Salut les amis, salut mon Guillaume. Salut Antoine. Il est l'heure magique. Alors aujourd'hui, on va aider un petit jeune qui débute, qui nous revient avec son deuxième film. 13 ans de galère, 13 ans de galère pour le concrétiser, t'imagines Guillaume le pauvre, mais il y est arrivé. Alors nous, à l'heure magique, avec nos millions d'abonnés et nos 200 000 vues par seconde, on va lui donner un petit coup de pouce. Il s'appelle James Cameron et il nous revient avec Avatar, la voix de l'eau. Moi aussi, je suis un guerrier, je suis là pour me battre. Protéger notre peuple. Finissons-en. Alors enfin, ça y est, Avatar 2 est enfin sorti. Franchement, Guillaume, je n'attendais plus ce film. Je ne l'attendais plus. L'Arlésienne, 13 ans, mon pote. Hein. 13 ans, c'est quasiment une génération. Une Bah, génération. clairement. Certaines personnes qui vont voir Avatar 2 n'étaient pas nées quand Avatar est sorti en 2009. Je pense que l'attente du film, c'est la voix de l'eau en elle-même. Tu es obligé d'attendre près du fleuve, en fait. Oui, ouais. Et c'est de t'abstraire de la temporalité et d'attendre tranquillement que voir le film passer un jour. Quand on ne saura pas, mais c'est la patience, en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est La vrai, c'est patience vrai. de l'eau, la patience du cours d'eau, quoi. The way of water. Ça sonne comme un mantra de yoga. C'est Hein, c'est carrément la ça, voix de ouais. l'eau. La voix de l'eau, ouais. En 2009, je n'ai pas été dans le délire Avatar. C'est un film qui m'a plu, hein, que j'ai vu deux fois d'ailleurs, en version courte, version longue. J'ai apprécié le spectacle, la nouveauté de l'expérience, mais en termes de niveau de sidération, voilà, Titanic, True Lies et les autres films de James Cameron, sans exception d'ailleurs, m'ont beaucoup plus sidéré. Peut-être était-ce un peu trop novateur pour moi à l'époque, mais Avatar ne m'a pas plus soulevé que cela. J'ai eu beaucoup de mal avec le look, le design des personnages. Alors j'ai beaucoup entendu, on a beaucoup entendu qu'ils ressemblent à des Schtroumpfs, mais moi je trouve qu'ils ressemblent plus à des panthères, hein, à des panthères bleues. J'attendais Avatar 2. Franchement, voilà, j'attendais ce film. Et là, pour le coup, au contraire du premier, je l'ai vu en ce qu'on appelle le HFR, le high frame rate, pardon, avec un défilement d'image supérieur au défilement classique de 24 images. Je crois qu'on est à 60 images secondes. Là, c'est en 48. Cameron ne voyait pas vraiment la différence apparemment entre le 60 images secondes et 48 images secondes. Donc, il s'est dit autant rester à 48 en fait. Ok, et franchement, plus la 3D, et là j'avoue que on verra ensemble, je suis entré dans une toute autre expérience. Et l'expérience est un mot très indiqué parce que c'est un mot qu'utilise lui-même James Cameron en interview. Il dit que Avatar 2, it's a movie to be seen and experienced. Ce qui me fait dire que Avatar 2, avec Avatar 2, on rentre, on est dans un autre monde en fait. C'est plus du cinéma, c'est autre chose. Et James Cameron me donne l'impression de vouloir réinventer la roue, en fait, ce qui rend sa démarche assez fascinante.
Donc moi, j'ai été soufflé, complètement bluffé par cette expérience, parce qu'il s'agit là vraiment d'une expérience. Moi, je poursuivrai l'inverse de toi. C'est-à-dire Ah, que moi, le premier d'accord. Avatar sort en 2009, je l'attends comme un malade, je vais le voir en IMAX 3D, donc qui était le top moumout en fait, des conditions de projection à l'époque sous lesquelles je pouvais découvrir le film, alors que la 3D n'était pas encore un format qui était entré dans les habitudes, en fait, dans les habitudes des gens. Je suis complètement retourné compagnie, au point que je vais revoir le film 9 fois en salle. Donc c'est 9 fois. 9 fois en salle, exactement. Surtout les formats 2D, 3D, VU3D, machin truc, j'ai tout testé. Franchement, j'ai tout testé. Le truc que je l'ai poncé, quoi, j'en ai fait des trous sur la toile. Et le film est resté. Le film a accompagné. Alors, quand tu vois un truc comme ça à répétition, faut purger à un moment donné, tu vois. Donc tu passes quelques années en vivant sans, quoi, parce que c'est nécessaire. Ouais. Il faut, ouais, faut laisser le truc partir, quoi, tu faut vois, digérer. pour faut Ouais. les gérer, pour voir ce qui reste, tu vois, sur le long terme, au-delà du fait de revoir le film tout le temps inlassablement. C'est d'ailleurs une discipline à laquelle devraient s'astreindre en fait les cinéphiles aujourd'hui. Je pense les cinéphiles qui demandent tout le temps à revoir une suite, n'importe quoi. Arrêtez de revoir les trucs, tu vois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et digère l'empreinte que ça fait sur le long terme. Et le truc avec Avatar 2, c'est que l'expérience de l'instant m'a retourné également. Comme tu le dis, j'ai été bouleversé, vraiment, parce que j'ai vu par les passages. Et pourtant, ça fait une semaine que j'ai vu et je commence à et j'ai tendance à plus me focaliser sur les défauts du film sur lesquels je ne me focalisais pas au moment de la projection, d'accord, que sur les qualités qui sont pourtant incroyables, quoi. Et du coup, je me demande si Avatar 2 finalement ne réussit pas l'expérience de l'instant au détriment de celle du long terme. Ah, alors ça, c'est, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce qui va te rester quand tu ne reverras pas le film, en fait. Alors, ce qu'il en reste quand tu ne revois pas le film, là, tu abordes un sujet intéressant, parce que moi, je l'ai vu il y a une semaine environ, c'est du coup, qu'est-ce qu'il m'en reste? Et alors, c'est très étrange, parce que un film, on va dire classique, il te reste quoi? Il te reste des images, des plans, des moments, des scènes, des émotions. Et là, ce film, lorsque je vais le chercher dans mon souvenir, en fait, je m'en souviens comme d'un voyage, comme de mes vacances. C'est très étrange. En fait, ce film m'a donné l'impression d'avoir voyagé sur Pandora, quoi. Ça, c'est... Parce que l'immersion est telle, l'immersion est incroyable. Je n'ai jamais été aussi autant immergé dans un film, hein. Vraiment. Hein. Tu es immergé, il y a un moment où tu as Kiri, qui est le personnage, c'est la jeune Sigourney Weaver, hein, la fille de Sigourney Weaver, qui plonge la tête sous l'eau et qui regarde qui scrute une créature qui s'apprête à sortir du sable. Et c'est un moment suspendu qui dure plusieurs secondes. Et t'es là, t'es avec elle. C'est un film qui me donne l'impression d'avoir voyagé, en fait. Mais tu vois, alors ça, c'est le problème. Ouais. Parce que, comme tu dis, ce genre de moments, ce sont mes préférés. D'accord. Je pense d'ailleurs que Kiri, en fait, est la véritable héroïne du film. Et jamais... Parce que, alors... Je pense qu'il faut quand même qu'on prenne 2 minutes pour s'arrêter sur le truc. Oui. Les acteurs sont tous extraordinaires. Et je dis bien les acteurs, d'accord. Ce ne sont pas des créatures d'animateurs, même si je n'ai absolument rien contre le boulot des animateurs de dessins animés. Tu vois. Ce sont des acteurs. Sigourney Weaver joue une gamine de 16 ans. Elle est extraordinaire. En fait, c'est la grande réussite de ce film. On ne se pose plus la question de la différence. L'altérité, en fait, a franchi une nouvelle étape. À tel point que ce sont les humains qui sont presque disruptifs dans le paysage qu'on voit, en fait, c'est qui vrai. Est sous nos yeux et ouais. Qu'on parcourt. Même un cétacé, même un mammifère marin, peut devenir un personnage à part entière qui n'est pas un sidekick, mais qui est aussi éloquent, expressif, avec lequel on communique, on entre autant d'interaction qu'avec les personnages humains. On en est là, en fait. On c'est en vrai. Est vraiment à cette Fou, étape, hein. À cette ouais. étape bah, du monde d'après ressemble à ça. Le souci, pour moi, c'est la structure narrative. Parce que tu vois ce moment magique où tu as, comme tu dis, où tu as Kiri, en fait, tu sais, qui chope les œufs. Le problème, c'est que ça ne dure pas. Et le problème, c'est que Cameron, s'interdit de laisser ces moments-là durer et de laisser le spectateur se perdre un petit peu dans ces moments-là, parce qu'il faut tout de suite passer à Quaritch qui fait un truc, il faut passer à l'autre qui fait un truc, il faut passer à l'autre qui fait un truc. Et du coup, le problème, c'est qu'il ne laisse jamais durer ces moments. J'ai toujours l'impression d'être c'est comme un plaisir interrompu en permanence, en fait, tu vois. Oui, c'est vrai que malgré sa durée de 3h15, hein, je crois,
Le film a un rythme trépidant, hein, ça ne s'arrête Très pas. Alors, on n'a même pas fait le pitch, mais bon, est-ce qu'il est nécessaire de le faire? bien. Jack Scully a eu des... avec Nightiri, elle s'appelle Nightiri, hein, je crois. Nightfury, ouais, The Nightiri, Sandalwood. donc, ont eu des enfants, ils ont 4 enfants. Et le personnage de Stephen Lang, eh bien, est de retour. Il est de retour, mais sous une autre forme. Il a muté. Sa mémoire, parce qu'il est mort dans le premier film, sa mémoire a été conservée et injectée dans un avis qui, peu ou prou, ressemble à ses traits, tu vois. Donc, en gros, c'est un film sur l'hybridation. C'est un cinéma hybride. Les personnages sont hybrides. Ils jouent d'autres créatures. Donc, voilà un peu pour le contexte. Et Stephen Lang donc, est de retour et chasse. Il y a une vendetta personnelle contre Jake Scully. Donc, c'est un film où notre petite famille est contrainte à l'exil. Elle arrive donc sur une autre planète, une planète sur l'eau, hein, une planète qui fusionne avec la mer. Et moi, entre Avatar et Avatar 2, j'ai découvert Mircea Eliade, qui est un écrivain, philosophe, mythologue, qui a beaucoup écrit donc sur la mythologie, le sacré et le profane notamment, le mythe de l'éternel retour, images et symboles, etc. Et Mircea Eliade m'a donné un tout autre éclairage sur Avatar. Hein, c'est-à-dire que Avatar, c'est une relecture de John Carter, hein, John Carter, l'œuvre littéraire et le film aussi, mais qui est lui-même, Edgar Rice Burroughs, a également recyclé des mythes, des motifs archaïques. Et découvrant Mircea Eliade, j'ai redécouvert Avatar. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Ok, et c'est pour ça que l'histoire donne l'impression que tu l'as déjà vue, mais parce que c'est un vieux mythe rejoué. Et là, Avatar 2, la voix de l'eau, on est en mer. En mer, en mythologie, la mer, c'est le chaos originel. C'est l'informé. C'est l'informé d'où tout sort, d'où tout naît et où tout retombe. D'ailleurs, il le dit hein, dans le film, il y a une espèce de mantra. Hein, tu viens de la mer, tu retournes à la mer. Et j'avoue que Mircea Eliade m'a éclairé sur Avatar, parce que je pense que James Cameron, il connaît par cœur hein, son Joseph Campbell, son Mircea Eliade. Et je trouve que voilà, cette lecture mythologique donne au film une autre épaisseur. Et moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est l'enfant sauvage, là, espèce d'enfant sauvage. Tu vois. Il est assez fascinant, qui est entre deux, un être hybride aussi. Il est humain, mais il se comporte comme les Na'vi. C'est assez fascinant. Mais tu vois, ça faut souligner, c'est parce que James Cameron, en fait, à la base, n'est pas scénariste. Il s'est formé sur le tas pour le devenir. C'est vrai. Et effectivement, je pense qu'il a lu des livres comme ceux de Mircea Eliade, même si je ne sais pas quand c'est que finalité, les livres de Joseph Campbell sur la structure du monomythe, etc. Et toutes ces choses qui te disent qu'en fait, que tu as une histoire en fait, dans l'inconscient collectif de l'humanité et tu as Exactement. une même structure qui se découpe en 12 étapes, etc. Et lui, dans son esprit de cinéaste ingénieur, je pense qu'il a parfait. Poncer le sujet pour en tirer des outils en fait avec lesquels il peut non seulement se servir dont il peut se servir concrètement pour écrire mais aussi pour donner au spectateur des outils en fait pour construire sa relation au film pour s'immerger dans ses propres films. Ça, c'est très important en fait. C'est pas seulement des outils pour lui, ce sont aussi des outils pour nous en fait, pour nous apprendre en fait à nous plonger dans le film, à nous servir du film fondamentalement. Et dans Avatar, moi j'ai trouvé que ça, c'est ce qui faisait super bien, tu vois. C'est-à-dire que t'avais pas que l'expérience visuelle, c'est-à-dire que même le scénario en fait était simple, il était d'une simplicité, mais la simplicité dans ta manière de le recevoir. Pas dans la façon de l'écrire, parce que c'est compliqué de faire ça, Bien sûr. on dit souvent, et c'est très juste, mais du coup, la simplicité avec laquelle tu recevais le film était proportionnelle à la complexité de sa conception, notamment scénaristique. Et du coup, moi, ce que j'avais kiffé dans Avatar, j'avais moins l'impression d'avoir une expérience de cinéma que d'avoir l'expérience de Pandora, en fait. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Au point que c'est même pas. C'est même pas autant que moi j'avais l'expression d'explorer Pandora en 3D dans la profondeur de champ. C'était l'impression que Pandora te parlait en fait. Tu avais un dialogue avec elle au même titre que Jack Sully qui commençait à ressentir la présence d'Iowa en fait. Et je l'ai moins eu sur celui-là. C'est marrant, ça. On a reçu... En Parce... fait, on a vécu l'inverse, en fait, Ouais, hein. exactement. Tu es mon Et je... némésis. Ah, Ah, mon c'est marrant. doppelganger. Ouais, c'est ça, on n'a pas eu la même... Ouais, Non. c'est fascinant, ça. Mais tu vois, et pour rebondir sur ce que tu Ouais. disais sur l'eau qui est le chaos Oui. informé de l'origine, c'est Oui. très juste parce qu'en plus,
Là, littéralement, dès le début du film, alors on spoil un peu, mais bon, ça arrive très vite, donc vous inquiétez pas, c'est pas, on n'est pas en train de vous tuer un rebondissement majeur. C'est que dès le début du film, une catastrophe survient. Tous les mythes auxquels appartenaient Jack, Neytiri et sa famille sont littéralement broyés dans le feu. Ils doivent tout recommencer comme des exilés, comme des immigrés. Ils doivent tout réinventer. Ils doivent se réinventer eux-mêmes. Ils doivent réinventer leur famille. Ils doivent réinventer une histoire, des mythes, en fait. Et c'est sur ce terrain de l'exil que je trouve Cameron le moins convaincant, parce que du coup, tu as l'impression que comme il n'a plus de structure, d'outils, en fait, auxquels se raccrocher, et avec lequel il savait super bien rebondir pour construire une expérience avec le spectateur, ben j'ai l'impression qu'il rame un peu, en fait. Il rame un peu. Ce qui m'a marqué dans ce film, c'est les zooms intempestifs. Ouais. Plein de zooms intempestifs comme ça. Déjà dans le premier. T'sais, un peu à la John McTiernan, tu vois, tac, 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 comme si, voilà, pour guider notre regard, tu C'est vois. ça, c'est tourné qui dit, ouais, c'est tourné en plus en 3DHFR, tu sais, Hop. qui, blam, tu sais, il se Et joue ce data. Ouais. absolument. Et là, chez Fer, je tiens à préciser, j'ai beaucoup de mal au début, beaucoup de mal. J'ai vu le Hobbit comme ça, ouais, chez Fer. J'ai vu Gemini Man aussi, bien qu'il est, c'est un film qui a plutôt l'allure d'une bande démo plus qu'autre chose. Là, j'ai compris la HFR parce qu'on reproche beaucoup à la HFR. Ouais, c'est une image télé, image LCD, etc. Mais en fait, ça donne un grain de réalité. Et tu as l'impression que, non pas que tu es dans le film, mais que le film débarque dans ta vie, en fait, débarque dans la Exactement salle. ça. Je pense que c'est une question d'habitude. Et je pense que les gens vont s'habituer. Et l'autre motif, hein, qui m'a fasciné, c'est l'autocitation permanente, en fait. La totalité de la filmographie de James Cameron y passe. De Piranha 2, des poissons volants, au dernier Avatar. Donc, tu as tout. Hein. Tu as même True Lies aussi. Tu as T'as une même scène qui est même trop True Lies. Abyss, Terminator, le motif du crâne brisé, j'en passe et des meilleurs. C'est assez fascinant, ces autocitations. La totalité de ces films sont cités, quoi. Ouais, c'est marrant, t'as raison, mais c'est vrai qu'en plus, j'ai l'impression que Cameron n'a jamais autant parlé de lui à la première personne. C'est-à-dire Ouais. que, tu vois, Cameron, en fait, c'est ce qui est fascinant chez ce mec-là, c'est qu'à la fois, le mec, c'est un général de guerre façon Attila le Hun, quand il s'agit de soulever une armée de guerre pour déplacer une montagne dans des délais impossibles. Et il est connu pour ça. Le mec, c'est un sanguinaire, hein, on le sait tous. Il y a des légendes, les légendes le précèdent. Mais d'un côté, c'est un angoissé. Le mec est un anxieux existentiel permanent. Et quand tu regardais Terminator 2, tu avais l'angoisse, la boule d'angoisse, celle de Sarah Connor, en fait, l'apocalypse, c'était celle de Cameron, quoi, tu vois. Ce mec est un angoissé permanent. Et je trouve qu'on ne le ressent jamais autant que dans Avatar 2, que la lumière fut. Pour la simple bonne raison que là, il est père de famille et il le dit lui-même, voilà, comment je fais pour protéger ma famille? Dans un monde où qui est voué à disparaître, quoi, tu vois. Donc c'est Ouais, c'est ouais. les Tu penses, co-anxiétés et tu compagnie. vois un film pessimiste, toi? Je vois un mec qui essaie de se battre pour rester optimiste, en fait, tu vois. Mais qui, du coup, devant tout ce qui arrive, bah, essaie de se replier sur sa forteresse, comme ils disent, donc sa famille. Et voilà, qui va se rendre compte que c'est pas la solution. Tu vois. Mais je pense que du coup, c'est très très personnel. Le film est très très personnel. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il cite autant de motifs de sa filmographie. Tu C'est probable. Pour l'anecdote, James Cameron vit en, enfin, il a acheté des terres en Nouvelle-Zélande. Hein. C'est un peu son lieu de villégiature. Ouais, c'est assez intéressant. Et moi, effectivement, le personnage de Kiri est vraiment extraordinaire. Moi, elle m'a bouleversé. Et tu parlais des créatures tout à l'heure. Il y a l'espèce de baleine, là, le Tuluk. Hein. Bon, désolé, j'ai oublié le nom exact. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que cette créature a droit à son point de vue. Oui, On c'est ça, ouais. filme son point de vue. Hein, c'est-à-dire que quand elle parle avec le fils de Jack Sully, voilà, on a son point de vue. Bon, l'image est jaunie, je crois. Voilà, c'est ça qui est assez fascinant. Alors, moi, je retiens des images extraordinaires. Quand ils apprennent à nager, il y a des moments d'une poésie incroyable. Il y a des moments suspendus dans le temps, comme ça. Tu vois, moi, j'ai rêvé, quoi. Tu vois, j'ai retrouvé l'émerveillement du gamin, tu vois, que j'étais. C'est un film qui est très généreux à ce niveau-là. Qui, putain, mais il t'en met plein la gueule, quoi. Putain, c'est ça qui est extraordinaire. Alors tu vois, putain,
Je suis désolé. En fait, je suis vraiment désolé parce Ouais. que je fais le bad cop, en fait. Tu vois, je fais le Non, bad cop mais dedans. écoute, c'est ton point de vue. T'as pas de Mais cœur, t'as pas de cœur, Guillaume, c'est pas grave. c'est. Eh ouais, je suis un gros fils de pute, les gens, vous ne saviez pas encore. Non, mais Non, mais. c'est marrant parce qu'on a réagi à l'opposé sur chacun des films. Ouais, c'est ça, mais en fait, le truc, non, mais c'est que j'ai vraiment aimé le film, et du coup, je me sens forcé de faire l'avocat du diable. Mais tu vois, c'est que c'est un film qui. J'ai l'impression que le film, à la fois, est extrêmement généreux, et à la fois, j'ai l'impression qu'il s'interdit de l'être. C'est très bizarre, parce que quand tu dis, t'as des motifs de sidération, t'en as à profusion. Tu en as à profusion. C'est. Voilà, quoi, on va pas se mettre à redresser la liste. Il faudra plus d'une heure pour être exhaustif. Ouais, bon. Rien que pour ça, merci, Cameron. Néanmoins. Je trouve que le mec, il a aussi, il est tombé dans ce, il n'ose pas faire un film définitif en fait, parce que le mec, tu sens que quand il écrit, il pense aussi au 3, il pense aussi au 4, il pense aussi au 5, et du coup, toutes les pistes narratives qui auraient dû être explorées dans celui-là, qui le sont mais qui le sont qu'à moitié, ou alors, t'as l'impression qu'il prend systématiquement l'option la moins définitive pour se laisser des portes ouvertes pour la suite. Et moi, un truc qui est un perso, moi, qui en souffre beaucoup, c'est pour moi, c'est Quaritch. J'adore le personnage, j'adore son look, j'adore ses canines comme ça, quand il les montre. Mais je suis désolé, mais je trouve que son développement, il commence à être mis au petit dénominateur commun parce que le mec, il va en garder sous la pédale pour la suivante. Alors Et du ouais, coup, c'est un film qui est généreux, mais qui en même temps, il est généreux en quantité, qualité aussi, évidemment. Mais pas tant que ça, finalement. Et du coup, c'est ça qui me frustre, parce que je me dis, putain, mais en fait, c'est Julien Dupuy qui disait que il y a un truc juste sur le podcast de capture, c'est que les films de Cameron sont des flèches. Tu vois, c'est directement, c'est en plein cœur. C'est simple, c'est efficace, c'est droit au but. La route la plus simple d'une destination à une autre. Sauf que là, j'ai l'impression que la flèche, tu sais, elle Elle est. compose, elle nous Ouais. voit, ouais, je Exactement, vois ce que voilà. tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, parce qu'il y a trois films encore derrière, hein, si j'ai bien compris. Hein. Ouais. Trois films. Et il a envisagé le fait de ne pas réaliser toutes les suites, si j'ai bien compris. Serais-tu en train de dire que James Cameron se marvéliserait, hein, comme tu l'as écrit sur ton mur Facebook? Hein, je te balance. J'ai pas écrit ça comme ça. Je ne sors pas ma citation sans contexte. Droit de réponse alors, autant pour moi. Ouais. Ouais. Bah, Marvelise, peut-être pas quand même, mais en fait, Marvel, c'est jamais que des tropes de l'époque, en fait. Alors, sur lesquels ils ont une hégémonie, c'est vrai, mais c'est pas les seuls à faire ça. Le souci, c'est que. Et je ne reproche pas tellement à Cameron de le faire dans l'absolu, c'est une forme de récit comme une autre. Je reproche en fait de ne pas réussir à les transcender. Et contrairement à. Je suis désolé, mais contrairement à Christopher McQuarrie, quand il te fait Mission Impossible Fallout, que le mec, il feuilletonise en un seul épisode une saga de 5 stand-alone, il arrive à te créer une Oui. continuité et tu ne te poses jamais la question. Et là, Cameron, en fait. Bah là, en fait, il part de rien, il repart de rien, comme ses personnages, il repart de rien, mais du coup, il n'a pas encore trouvé, il trouve pas ça, et je trouve qu'il trouve pas tout à fait son chemin, en fait. Moi, ça m'a pas gêné. Moi, ça m'a pas gêné, cette affaire. Alors, je m'attendais quand même à ce que le personnage de c'est Quaritch, il s'appelle, hein, de Stephen Ouais. Lang. Mais je m'attendais à ce qu'il soit résolu ici et qu'on passe à autre chose. Ouais, bah voilà. Je m'attendais à ça, j'avoue, parce que c'est comme le deuxième film où il est là, il est mort une fois, il ressuscite, etc. Bon, mais somme toute, bon, je me dis, je sais qu'il y a trois films ou encore deux films derrière. Bon, faut bien qu'il s'en garde sous le coude. Il y a quand même une avancée à la fin de ce film, c'est que, bon. Jack Sully, bah, il décide de rester, tu vois. Il dit, je suis chez WAM, quoi. Allez vous faire foutre, quoi, tu vois. Donc, c'est ça qui. Ouais, pour moi, elle est là, l'avancée. C'est fini l'exode. Je suis chez moi, partout, quelque part, tu vois. Je suis chez moi, là où je décidais que c'était chez moi. Tu vois, moi, je l'ai retenu comme ça, un peu, son parcours. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, après, on les confond un petit peu, des fois, les deux fils, et j'ai eu du mal un peu à les reconnaître. Bien que de grands efforts, de gros efforts soient faits pour vraiment qu'on différencie tout le monde. Ils se ressemblent tous, c'est parce qu'ils se ressemblent tous. Ouais, c'est ça, quoi. Ils ont un peu la même tronche, tu vois. Alors, les créatures d'en Ouais. face, j'ai oublié leur nom, hein, désolé. Hein. Les Menaticaïa. Bah, quoique, Ouais, si, j'ai trouvé. bah, je suis pas fan de leur look, qui ressemble un peu à Bessapian, là, Ouais. dans Hellboy. J'aime Bon, bien. voilà. Après, je trouve que un mec qui m'a bluffé, c'est Cliff Curtis, qui joue le chef Alors du oui, clan.
Tu leur reconnais, mais direct. Alors, j'ai jamais vu. Ouais. Lui, vraiment, je n'ai jamais vu un acteur en perf cap ressembler autant physiologiquement à son avatar numérique. C'était un truc de ouf. C'est vrai que tu reconnais les acteurs. Et ça, c'est incroyable. Et à la différence, hein, parce qu'on parle de lui en ce moment, Uncle Bob, Robert Zemeckis, les différences sur certains Zemeckis, tu ne reconnais pas toujours les acteurs derrière. Là, tu vois les acteurs. Quoi. Tu les vois. Tu les vois. Tu sais que c'est lui. Quoi, tu vois. Stephen Lang, il est incroyable. Sigourney Weaver, tu les reconnais tous. Et ça, c'est très, très fort. Du coup, la connexion émotionnelle fonctionne. C'est, non, mais c'est clair. Mais là, elle fonctionne complètement. Les personnages sont vraiment... Tu sais, tu les adoptes tellement comme faisant partie de toi-même, tu vois. Et tu te, c'est ça qui est ouf, tu te poses plus la question du numérique, de l'humain, de l'extraterrestre. C'est ça. Tout est lié, en fait. Je suis capable d'un projet global, tu vois. Donc, tout est vraiment lié de A à Z. La forme, le fond, les profondeurs, quoi. C'est ça qui est fort. C'est ça. Et ce qui est fascinant avec Oncle Jim, c'est que le mec, il a fait all-in sur tous ses films. Tiens. Chacun de ses films, c'est all-in. Il mise tout. Tous ces films sont des paris, des paris définitifs, quoi. Ouais, à chaque fois, il a gagné. À chaque fois, il a gagné, quoi. C'est ça qui est fort, tu vois. Est-ce que ça serait le cas autant de celui-là ? Parce que tu vois, le premier Avatar avait démarré doucement pour finir par tout péter sur long terme, un peu comme ce qu'a fait Top Gun cette année, quoi, tu vois. Oui, ouais. Et Top Gun Avatar, je sais, là, moi aussi, je suis bon all-in sur ce pari-là. Je sais que ce sont des films qui resteront. Tu vois, ça restera, il y aura une empreinte, on s'en souviendra. Avatar 2, on se souviendra de la séance parce que elle est, c'est sidérant. Ouais. Est-ce que sur l'inconscient collectif, il y aura cet effet mobilisateur sur le très très long terme, comme le premier ? On verra. Ouais. Je n'en suis pas convaincu. On verra. Pourquoi 5 films ? Tu vois, le nom de chiffre 5 aussi m'a c'est un peu bizarre, surpris. Ouais. Pourquoi 5, pas 3 ou 2 fois 3 ? Enfin, tu vois, c'est marrant. Bon, c'est son choix, hein, mais bon, il est parti là-dedans, Jim. Hein. Il est parti là-dedans, c'est son délire maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment, j'ai l'impression qu'il est dans une démarche de recherche et développement. Il est dans une démarche inventer la roue, réinventer la roue, quoi. Mais c'est ça le problème, parce que t'as l'impression qu'en fait, ce qui a mobilisé le plus d'énergie pendant ces 13 ans, c'est quasiment la structure scénaristique, plus encore que la technologie développée, qui est absolument incroyable. Mais le problème, c'est que putain, il veut te faire une expérience d'hyper cinéma, tu vois. C'est ça. Cinéma pur. Cinéma total, quoi. Mais d'un autre côté, il n'ose pas conclure son film au cinéma, mais il le raconte en feuilleton pour pouvoir faire les suites. À un moment donné, j'arrêtais pas de me dire, mais putain, t'as l'impression qu'il fait celui-là pour pouvoir faire les suites, en fait. Et que, en fait, l'angoisse existentielle qui te prend à la gorge des débuts, qui est celle de Jack Sully, qui est celle de Cameron sur l'état du monde, et qu'est-ce que ce monde va faire à mes enfants, en fait. Et qu'à la fin, comme tu dis, il résiste, il est là, c'est chez lui. Ouais, mais je suis désolé, entre les deux, il y a une heure de film, je comprends pas pourquoi le mec, il a pas réagi plus tôt, il s'est pas dit ça plus tôt, parce que c'était évident. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Il tire à la ligne un peu, c'est le cas de le dire. Hein, voilà, ça se passe en mer, il tire à la ligne, tu crois. Ouais, ok, il veut rallonger. La puissance du regard caméra de Jack Sully à la fin d'Avatar 2 n'a pas la même puissance, ni le même impact, ni la même sens que le premier pour ça, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais dont acte. Moi, j'y ai vu un espèce de, une nouvelle forme de cinéma, une espèce de cinéma mutant, de l'hybridation. Mm-hmm. De l'immersion, quelque chose qui se rapproche de l'attraction. Hein. L'attraction, et je le dis sans... c'est un compliment. Hein. Et ça, moi, c'est ce que j'applaudis. Et cette suite m'a fait vibrer comme ne m'a jamais fait vibrer le premier film, tu vois. Et là, c'est ce qui me rend très enthousiaste pour les suites, bien évidemment. Moi, j'applaudis la recherche formelle. Alors, je l'ai dit, on parle de lui en ce moment, Oncle Bob, on peut le dire, il a pavé la voie du cinéma digital, du cinéma numérique. Hein, c'est lui qui s'est tapé les années de recherche et développement. Il en a payé le prix. Lui et Georges Lucas. Et lui et Georges Lucas. Donc un big up. Hein. J'en profite pour faire un peu de pub. Le cycle Robert Zemeckis, les amis, est toujours dispo dans la boutique. Il suit son cours, allez-y. Moi, j'applaudis. Non, mais dont acte, mon cher Guillaume. En tout cas, moi, perso, j'ai hâte de voir la suite. Toi, tu iras voir la suite quand même. Bien sûr. Même si j'ai peur. Bon, j'ai peur. T'as peur, ouais. J'ai peur parce que j'ai l'impression que le roi du monde a déjà perdu sa couronne et là, j'ai peur qu'il descende des marches dans les suivants. Je crois qu'il a atteint un point de non-retour, James Cameron. Ouais,
Ouais, mais est-ce que pour... il est sur une autre planète, quoi. Et est-ce que Pandora a autant de jus que ça, quoi, tu vois, c'est ça aussi le Ah problème, en oui, fait. ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que tu vas passer ça, qu'il y a encore quatre films dans le même univers. À chaque fois, tu vas pas pouvoir. James Cameron qu'il est, comment Ouais. tu vas pouvoir refaire le coup de découvrir une nouvelle partie de la planète Pandora? Au bout d'un moment, gros, tu vas Ouais. finir. Une fois que tu auras fait la montagne, tu n'auras plus qu'à taper le parc d'attraction, quoi. Enfin, Ouais, ou j'ai pensé à solitaire. l'air, dans les airs. Moi, j'ai pensé à ça. On Ouais, mais verra. il va finir comme Non? Shyamalan, ouais, mais il va finir comme Shyamalan dans Phénomène à ce rythme-là, quoi, tu vois. Oh, t'es hardcore là quand Non, même. non, mais je veux dire, en fait, moi, ce que j'ai peur, en fait, Ouais. c'était le défaut du Hobbit, hein, en plus, quelque part. C'est que tu délayes à chaque fois, systématiquement, Oui, ta ouais. résolution pour avoir une excuse pour faire le film suivant. Non, fais-le tout de suite, putain. Tout de suite, Ouais. maintenant. Arrête de faire des promesses pour plus tard. Et le problème, c'est qu'il fait compliqué. Cameron, il était compliqué pour faire simple avant. Et là, le problème, j'ai l'impression que tu vois qu'il fait compliqué. Et c'est compliqué d'arriver là, 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 là. Tu vois. Et même Ouais, dans ta ouais. relation avec Pandora, le dialogue est moins fluide. Parce que ça, c'est cette putain de complication scénaristique feuilletonnesse de mes deux qui fait une fenêtre opaque, tu vois. Et Je enfin, vois. moi, c'est pour moi, j'ai ressenti comme ça. Et ça me fait chier. Ça me fait chier de le lire. Voilà, nos avis divergent. Moi, j'ai rêvé les créatures, les paysages, les émotions. Vraiment, moi, j'ai vibré. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Dites-nous, vous, ce que vous en avez pensé, les amis. Quel souvenir, quelle trace vous a laissé Avatar 2. Je le répète, notre cycle Robert Zemeckis est toujours disponible dans la boutique. Allez-y, les amis. Mon cher Guillaume, merci. Wad, à bientôt, mon ami. Portez-vous bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Yeah.